Eh bien, salut à tous, comment allez-vous? Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur Farming Simulator 2013. Donc la présentation des modes se poursuit. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est un épandeur à fumier. Donc TEB, je sais pas très bien comment ça se dit, pas enfin, TEBBE. Voilà. Donc voilà, un épandeur à fumier à deux essieux. Donc vue extérieure, il est juste magnifique, hein, on va pas se le cacher. Je vais vous montrer l'intérieur, il est pas mal du tout non plus. Donc voilà. Donc je vais un petit peu vous montrer côté tarif. Donc qu'est-ce que je fais là moi? C'est ici que je dois être. Voilà. Non, ici. Donc voilà. Donc ici c'est celui-ci. Donc il est quand même à capacité de 10 104 non. Ah, 18 donc c'est une capacité de 18 000 litres. Et celui d'enjeu a une capacité, donc celui d'origine, je ne sais plus. Je vais un petit peu vous montrer. Ah, donc on était ici. Celui-ci a une capacité de 14 900 litres. Donc il est déjà beaucoup plus gros. Donc voilà, donc c'est ça qui est bien parce que pas souvent des gros épandeurs. Donc c'est ça qui est très très bien. Donc je l'ai testé, j'ai pas testé parce que j'ai pas de fumier sur cette map-ci. Mais en tout cas, j'ai déjà testé, il va très très bien, il ne bug pas. Donc il est 100% garanti, sans bug. Donc voilà, donc je vous conseille de le prendre. Donc comme toujours, le lien sera dans la description. Hein, donc j'ai même acheté un petit tracteur, tiens. J'ai acheté celui-ci. Hop, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Il y a aussi deux options avec. Hein. J'avais carrément oublié de vous les mettre. Donc vous avez l'option 8. Je ne sais pas si c'est de numpad ou quoi. Cette option, c'est pas de numpad. Donc ici c'est pour ouvrir la petite bidule ici, pour le petit capot ici, donc c'est pour l'ouvrir. Vous avez l'option 9. Qui est, vous voyez ici, il y a un petit phare ici. Donc pour la nuit, ça peut être bien. Regardez, là il y a un petit phare. Donc voilà. Vous avez l'option J. Je sais pas du tout à quoi ça sert, donc attendez, je vais fermer ça. Donc option J. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert. Vous avez l'option 6, donc c'est pour mettre un petit gyro à l'arrière ici. Donc voilà. Vous avez l'option N. Ça fait quelque chose, mais je ne sais pas très bien ce que ça fait. En tout cas, ça fait quelque chose. Vous avez l'option 7. C'est rajouter une rajoute. Donc regardez ici, il s'en rajoute et là vous avez marqué. Donc voilà. Donc la touche K. Regardez, donc ça ouvre ça. Donc voilà, attendez, je vais ouvrir ça aussi. Voilà. Donc voilà. Là, vous avez épandre comme ça. Et vous appuyez sur le point d'interrogation pour le relever. Pour le rabaisser plutôt. Donc c'est plutôt un épandeur pas trop mal fait du tout. Donc il a même les clignotants à l'arrière. Donc warning droite gauche. Il a les freins par. Il a des freins arrière. Voilà. Donc j'espère que ça a mis cette petite présentation de mode. En tout cas, moi c'est l'épandeur dont je me servirai le plus à mon avis tellement qu'il est bien. Donc voilà, donc bye bye tout le monde, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher vos commentaires, donc bye bye tout le monde, c'était Olivier Beau, Olivier ciao, Beau, la bye chaîne 100% Farming Simulator.